Salut Mathieu, salut à tous les passionnés de sport automobile, à tous les abonnés de Passion Sport Auto du Var. Je m'appelle Jean-Christophe, je suis de l'Ariège dans le 09. Et je vous présente aujourd'hui mon auto en soutien avec les blouses blanches, tous ceux qui luttent contre le Covid-19 qui nous fout tous dans une belle merde. Donc voilà, je vous présente mon auto pour ceux qui connaissent bien ce dragon, le Sim Camille Racing Team. Voilà, moi c'est une Sim Camille un peu spéciale, j'ai envie de dire. Une auto un peu particulière. C'est la réplique de celle de Jean-François et Jean-Olivier Rousseau, qui couraient pour Simca aux côtés de Vaucart, Enjolras, version 1975. Cette auto, je l'ai fait homologuer en rallye. Et elle a une particularité aussi, c'est qu'elle est équipée d'un joli petit compresseur Constantin. Voilà. Donc je vais vous faire le tour de mon auto. Au jour d'aujourd'hui, c'est la seule qui est homologuée en VHC. C'est une de mes plus grandes fiertés. Ça a été compliqué, mais on y est arrivé. Avec l'idée, avec le soutien de mon ami Jérémy Costocalde, que beaucoup connaissent dans le milieu de la Sim Camille. Donc voilà le tableau de bord. Tableau de bord aussi un peu particulier de l'époque, avec tous les boutons, phare, code, essuie-glace, lave-glace, le manneau de pression du compresseur, compteur kilométrique évidemment, compteur compte-tour avec la zone rouge. Un peu très rouge, siège baquet. Et la particularité de cette auto aussi, c'est qu'en fait le réservoir, donc là c'est un réservoir homologué à tel, est derrière le siège passager. Voilà, parce que effectivement ceux qui connaissent bien les Sim Camille ont remarqué qu'en fait elle n'était pas en quatre portes, elle était en deux portes. Voilà, il l'avait condamné justement pour mettre le réservoir derrière le siège pour la rigidité aussi, la rigidité de la caisse. Voilà, avec les vitres plexiglas, enfin macro-long homologuées coulissantes. Voilà, au milieu. Vide-poche qui est super pratique d'ailleurs. Ils avaient bien pensé les choses à l'époque. Voilà, avec la petite faute sur Gauloise là pour pouvoir mettre l'autocollant. Je vous fais le tour. Le pot de ville. Et donc cette auto, en fait, Jean-François Rousseau a arrêté de rouler en 1975 avant de la remiser. Et Échappement Classique avait fait un reportage sur Jean-François et cette auto. Et c'est ce reportage-là qui m'a permis en fait de l'homologuer en VHC. Donc pendant un an, avec mon ami, on s'est attelé à la tâche pour pouvoir la faire entièrement l'auto et fabriquer justement ça, la pièce maîtresse. Tout est pratiquement d'origine, le travail est d'origine à lame, ce qui va super bien. Moi je suis pas un grand pilote, donc ça me va très bien, pas triangulé. J'aurais aimé avoir un triangulé, mais non, elle était, faut faire strictement comme elle était. On n'invente pas l'histoire, on la recrée. Donc j'ai dû faire strictement la même que celle de Jean-François en 1975, sans aucune modification. Le nombre de rivets est le même, tout est identique, sauf quelques petits détails qu'on n'a pas pu, évidemment, toute la sécurité avant standard ce 3 points, donc c'était un peu aléatoire. La particularité aussi du train arrière, c'est qu'en fait les amortisseurs sont décalés par rapport au train arrière. Ceux qui connaissent bien les Sim Camille ont les amortisseurs ici, et nous en fait on a les amortisseurs décalés, et c'est l'arceau qui fait un support d'amortisseur avec une patte. C'est un montage de CG. Voilà, boîte 4 à crabeaux, le petit compresseur qui va bien, tout a été usiné dans la masse. Carburateur, tout a été créé, la poulie a été fabriquée, tout a été fabriqué. C'était vraiment une grande aventure, 280 heures d'usinage, piston Hayabusa, bien large, volant moteur en titane,
Matricula 3832, arbre à cam spécifique. L'allumage est d'origine, vis platinée, on n'a pas le droit à l'allumage électronique. Ils n'avaient pas à l'époque, donc on n'a pas monté d'allumage électronique, pompe à essence électronique. Alors ça, c'est fait pour réchauffer la pipe en hiver, voilà, pour pas qu'elle givre. Il y a un phénomène de givre qui se produit. On a différentes poulies, donc là c'est la 18 ans, on a la 20 dents et 22 dents, ce qui permet d'avoir une pression. Plus on réduit la poulie, plus en fait on réduit les tours minutes du compresseur. Donc, le moteur coupe plus tôt en puissance, ça permet de ne pas avoir trop d'allonge. Plus on met des grosses poulies, plus on a d'allonge. Donc en fait, ça fait un peu comme si on changeait le couple. On gagne un tour minute, donc on allonge le moteur. C'est assez sympa. Et la goulotte de remplissage du réservoir, qui est ici, avec la roue de secours derrière. C'est un peu problématique parce qu'avec les gros sièges baquets, on n'a pas pu. On ne peut pas l'enlever en fait. On est obligé de dévisser. On a fait ce montage-là parce qu'on était obligé. Je voulais vraiment faire l'origine. Donc on a fait une lunette arrière démontable. Il suffit de la dévisser, de la sortir. On a un tournevis électronique là, électrique, et on dévisse là. Et on revisse, et puis comme ça on peut sortir la roue. Voilà. Alors l'avant aussi, il y a des petits trucs qu'il faisait à l'époque qui étaient bien sympathiques. Déjà, l'ouverture du capot était inversée. Une charnière de capot arrière. Et donc en fait, la batterie a été encastrée dans la caisse. Et le radiateur a été monté avant, à l'avant. Et à l'époque, c'était déjà un peu révolutionnaire. Donc ça, c'est la pompette de lave-glace avec le lave-glace qui a été encastré sous la caisse pour le centre de gravité, évidemment. Et il est posé presque sur la crémaillère. Voilà, avec le relais. C'est un faisceau électrique de 1200S. Voilà. Avec les cibiers qui sont pas ceux d'origine. Voilà. Ça a été modifié parce que c'est sponsorisé par Cibier, donc vous pouvez pas garder les Marshall, forcément. Voilà. Avec le spoiler groupe 5 qui est magnifique. J'adore. Et les petites carrosseries, c'est des ailes rivetées, ça fait vraiment proto. Voilà, donc Mathieu, quand tu es prêt, ce grand mot SRT, France Service Course Expérimentale, eh bien, tu seras l'essayeur principal parce que je ne vais même pas, en fait, je ne vais même pas la conduire. C'est toi qui vas la conduire, c'est toi qui vas l'essayer. Je vais avoir ton avis. Et donc je te mets au défi, voilà. Mais accroche-toi bien, mec. Mais tu vas voir un truc de fou. Allez, ciao.